Alors, bonsoir à tous et merci d'être toujours si fidèles et nombreux ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est unique. C'est incomparable. Et c'est juste pour nous, nous qui parlons cette belle langue de Molière, avec un accent différent, avec un jargon différent, mais qui la gardons bien vivante. En Amérique du Nord, en Afrique du Nord, en Afrique, en Asie, en Europe, de partout. On se rejoint et on se comprend grâce à à cette langue de Molière. On est le 25 avril. Maintenant, le 25 avril qui commence à peine un 25 avril de 7 minutes. Il est minuit 7. Chers amis, merci d'être de plus en plus fidèles et nombreux. C'est vraiment très apprécié. Ceux qui m'envoient des liens aussi, c'est vraiment très, très apprécié. Allez vous abonner à mes deux autres chaînes. Les liens sont dans la boîte de description. Et si je ma mémoire est fidèle, je vous ai laissé aussi mon courriel si vous voulez m'envoyer des messages, des commentaires ou des liens. J'en reçois des centaines et c'est vraiment très apprécié. On revient sur notre sujet hein, d'aujourd'hui important. Vraiment pas banal, les extraterrestres. La vie au-delà de notre système solaire. Ou même peut-être sommes-nous nous-mêmes des extraterrestres. Il me semble que ça fait beaucoup, beaucoup de sens. On a parlé un peu plus tôt, je vous ai partagé cette théorie ou cette idée de d'utiliser ou de de ces méga structures hein, euh, extraterrestres qui peut-être existent et en tout cas si, selon euh, certains rapports d'études scientifiques on a observé un phénomène très étrange on va aller voir ça ensemble on a ces étoiles hein, qui euh, sont observés par nos euh, astronomes, hein, et on a des outils énormes pour les observer, les, euh, les étudier, et les étoiles sont des objets très lumineux, et on avait remarqué euh, avec, si on retourne en octobre de 2016, hein, euh, remarqué chez des euh, astronomes qui étudient le ciel, qui suivent le ciel, qui ont des cibles précises, des étoiles qui diminuent, di dont l'intensité en lumière diminuait euh, énormément de façon très significative. Habituellement, si une planète passe devant une étoile ou euh, un écran de poussière, hein, apparemment, la lumière, se, son intensité en diminue de 1 à 2 mais là, on a observé pendant plus de 70 jours ou 75 jours, une diminution de près de 70 d'une étoile en particulier. Et ça c'est vraiment inhabituel et ça n'a rien à voir avec le passage d'une planète devant cette étoile-là ou d'un autre corps céleste. On pense. Que ce qui pourrait expliquer ça, on pense que ça pourrait être des mégastructures hein, extraterrestres qui seraient construites pour. Qui serait l'équivalent de millions de panneaux solaires pour aller chercher de l'énergie, naturellement, de ces euh, étoiles-là. Une étoile étant un soleil, n'est-ce pas? Donc, on pourrait avoir une idée un peu, ça pourrait ressembler à ça. Une, une immense mégastructure hein, devant l'étoile pour aller chercher l'énergie de cette étoile-là pour alimenter, naturellement, euh, des forces, des, euh, des engins. Euh, une technologie. Et ça semble être vraiment très intéressant comme piste. Et on va aller lire l'article en question que j'ai euh, trouvé pour vous. Attendez que je le retrouve. Des chercheurs viennent de trouver une deuxième étoile qui pourrait avoir une sphère de Dyson. D'abord les sphères de Dyson, on va aller voir ça ensemble. C'est quoi hein? Les fameuses Dyson Sphere. Qu'est-ce que c'est que la Dyson Sphere La sphère de Dyson, hein? c'est une mégastructure hypothétique qui englobe complètement une étoile et capture un pourcentage élevé de sa puissance. Le concept est une expérience de pensée qui tente d'expliquer comment une civilisation de l'espace répondrait à ses besoins en énergie une fois que ceux-ci dépasseraient ce qui peut être généré à partir des seules ressources de la planète. Seule une infime fraction des émissions d'énergie d'une étoile atteint la surface d'une planète en orbite. La construction de structures entourant une étoile permettrait à une civilisation de récolter beaucoup plus d'énergie. La première description contemporaine de la structure a été réalisée par Olaf Stapleton dans son roman de science-fiction « Star Maker » dans lequel il décrivait chaque système solaire entouré d'une gaze de pièges à lumière qui focalisait l'énergie solaire en fuite pour une utilisation intelligente. Le concept a été ensuite popularisé par Freeman Dyson dans son article de 1960 intitulé recherche de sources stellaires artificielles de rayonnement infrarouge. Dyson a supposé que de telles structures seraient la conséquence logique des besoins en énergie croissants d'une civilisation technologique et seraient une nécessité pour sa survie à long terme. Il a suggéré que la recherche de telles structures pourrait mener à la détection d'une vie extraterrestre intelligente et avancée. Différents types de sphères de Dyson et leur capacité de récupération d'énergie correspondraient à des niveaux de progrès technologique à l'échelle de Kardashian. De Depuis lors, d'autres variantes impliquant la construction d'une structure artificielle ou d'une série de structures englobant une étoile ont été proposées en ingénierie exploratoire ou décrites dans la science-fiction sous le nom de sphères de Dyson. Donc, vraiment, hein, spécial. Lorsque les astronomes ont découvert un étrange faisceau de lumière près d'une étoile lointaine appelée la K, euh, KIC 846-2852, ou KLC, pardon, en octobre, il ne ressemblait à rien que personne n'ait jamais observé auparavant. Lorsqu'une planète passe devant l'étoile, ou une étoile, la, la luminosité de l'étoile baisse habituellement d'environ 1%, mais la fameuse KLC 846 28, 52, a connu des baisses allant jusqu'à 22%, ce qui laisse supposer que quelque chose d'énorme se rapproche. Et maintenant, une deuxième étoile avec d'étranges baisses de luminosité a été identifiée, nommée EPIC 204 27, 99, 16 On estime que l'étoile a environ la taille de notre Soleil en diamètre, mais qu'elle n'a que la moitié de sa masse. Il a été découvert par la sonde Kepler de la NASA en 2014, et depuis lors, une équipe d'astronomes dirigée par Simon Scaringi de l'Institut Max Planck de physique extraterrestre en Allemagne surveille ses creux de lumière ou courbes de lumière. Et cette chose est encore plus étrange que l'autre étoile KLC 846-2852. Les chercheurs ont rapporté que sur 78,8 jours d'observation, le document de cette étoile épique 204 27 99, 16 a présenté une atténuation irrégulière allant jusqu'à 65 pendant environ 25 jours consécutifs. Comme nous l'avons mentionné ci-dessous, quelque chose d'aussi énorme qu'une planète en orbite autour d'une étoile ne la fera que s'assombrir de 1 Alors, qu'est-ce qui pourrait être assez grand pour provoquer une atténuation de 65 à l'époque où les chercheurs tentaient d'expliquer les baisses de luminosité régulières et importantes de KLC846-2852, également appelée Étoile de Tabi, ils ont proposé deux explications plausibles et une explication moins plausible. La première explication était que les courbes de lumière larges et régulières seraient causées par un essaim massif de comètes en orbite autour de l'étoile. La seconde suggère qu'une étoile euh, déformée, qui tourne si vite qu'elle devient oblate, ce qui signifie qu'elle a un rayon plus grand, à l'équateur, qu'au pôle. Cela produit des températures plus élevées et un éclaircissement au niveau des pôles, tandis que l'équateur est par conséquent noirci. L'explication la moins plausible est que l'atténuation est causée par une sorte de sphère, de Dyson sphère, ou une sphère de Dyson, une gigantesque sphère constituée de panneaux solaires qui entoure complètement une étoile et qui est décrite dans plusieurs récits de science-fiction. Donc, c'est quand même pas rejeté comme possibilité et c'est ça fait beaucoup, beaucoup de sens. Donc, chers amis, ça nous amène à cette nouvelle espèce de théorie hein, qui nous provient d'un professeur américain qui nous, euh, qui nous dit que finalement, hein, c'est un professeur de m -Tech qui affirme que les ovnis sont des machines du temps futur. Parce que lui il a fait... Il a écrit un livre, naturellement. On va, je vais vous, on va lire le, le petit article sur lui, puis je reviendrai à sa théorie qui fait beaucoup de sens, qui a beaucoup d'allure, qui a beaucoup de logique. Beaucoup de gens croient que les ovnis visent, visitent la Terre depuis euh, d'autres planètes très éloignées. Un professeur de Montana Tech pense que les ovnis sont beaucoup plus proches qu'on le pense. Le phénomène ne peut être que... Nos lointains peut être que nos lointains descendants reviennent dans le temps pour nous étudier dans leur propre passé évolutif, a déclaré Michael P. Masters. Masters écrit à propos de cette théorie dans son livre Identified Flying Object, objet volant identifié, titulaire d'un doctorat en anthropologie de l'Ohio State University. Hein, c'est pas quand même n'importe qui. Masters utilise la science pour expliquer pourquoi les personnes qui font état de rencontres approchées avec des extraterrestres les, les décrivent toujours de la même manière. Les extraterrestres sont très souvent signalés comme étant bipèdes, marchant debout, avec cinq doigts sur chaque main et chaque pied, une symétrie bilatérale selon laquelle ils ont deux yeux, une bouche et un nez, et peuvent communiquer avec nous dans notre propre langue dit le professeur Masters. Masters comprend que cette étude peut être considérée comme une science marginale, mais il défend la recherche dans le livre. Je me tiens par le produit. Je suis heureux d'en parler avec n'importe qui. C'est écrit autant pour mes pères que pour n'importe qui dans la communauté des ovnis. Donc lui il dit, tous les gens qui ont rencontré ou disent avoir rencontré avoir eu un contact avec ces visiteurs de l'espace, qu'on pense, ben, ils les décrivent tous la même, avec la même description. C'est quand même unique, ça. Hein? Ils sont tous signalés comme étant des bipèdes, marchant debout, avec cinq doigts sur chaque main et chaque pied, une symétrie bilatérale selon laquelle ils ont deux yeux, une bouche et un nez, et peuvent communiquer dans notre langue. Wow! Donc, c'est vraiment, vraiment très intéressant et c'est aussi, quand même assez logique. Et c'est ça qui est la base même de son hypothèse, lui, qui fait dire que peut-être qu'on est visité par nous-mêmes, via des machines du temps, qui reviennent dans le temps pour étudier, nous étudier, s'étudier nous-mêmes. C'est vraiment très, très, très intéressant. Et on va aller... Euh, Justement, écoutez euh, ce qu'il a à dire, parce qu'on les a tous, on les décrit toujours, toujours de la même façon, hein? bipède, cinq doigts, cinq orteils, des yeux, une bouche, un nez, et ils parlent notre langage. Est-ce que c'est nous, évolués, et qui revenons dans le passé pour nous étudier vraiment

Visiteurs qui viennent de planètes très très éloignées, mais pas le docteur ici en question. Mais lui, ce, ce professeur-là, pense que les ovnis sont beaucoup plus proches de la maison qu'on le pense. The may be our own back. Donc, Monsieur Master, il dit, c'est peut-être nos... Descendants qui viennent nous visiter dans notre propre évolution, dans notre propre cycle évolutif. Et c'est dans son dernier livre, Identified Flying Objects c'est dans son dernier livre qu'il est là cette euh, théorie-là. Donc, lui, c'est un anthropologiste, oubliez-le pas. Et il utilise la science pour expliquer pourquoi les gens rapportent toujours et toujours les mêmes descriptions. Et tous ceux qui prétendent avoir eu une rencontre avec eux, les décrivent de la même façon, et ça ressemble vraiment à des humains, mais qui auraient évolué. On peut regarder l'évolution du corps humain, hein? et il y a vraiment une évolution avec la température, avec l'alimentation. On évolue, veut, veut pas. Donc, ils sont tous décrits comme étant des bipèdes, marchant debout, ayant cinq doigts, cinq orteils, ayant... Deux yeux, un nez, une bouche et parlant notre langage. Donc vraiment très intéressant. Je voulais vous partager ça, chers amis. Je sais qu'il y a beaucoup beaucoup d'adeptes. C'est vraiment de, ce serait vraiment être malhonnête que de dire qu'on n'a aucun intérêt pour la question extraterrestre. Cet intérêt-là est depuis longtemps, il a toujours été là, il sera toujours là. Et parmi tout le monde. Il n'y a personne, personne sur Terre, petit, grand, noir, blanc, riche ou pauvre, instruit ou non, qui n'a pas parlé et qui n'a pas d'intérêt pour la vie extraterrestre. Et ça fait partie de notre réalité, qu'on le veuille ou non, et il faut en parler quand ça fait du sens. Et honnêtement, moi, il n'y a rien que je puisse. Rejeté du revers de la main, tout est possible. Mais en tout cas, ça, ça tient debout, je trouve. Et quand on y repense, et c'est ça que je veux que vous reteniez en conclusion, c'est que toutes ces descriptions qui ont été données ont toujours eu exactement les mêmes caractéristiques. Bipède, qui se tient debout, cinq doigts, des, cinq orteils aux pieds, deux yeux, une bouche, un nez, et parlant notre langage. Est-ce qu'on est les extraterrestres et on est dans le temps, dans plusieurs dimensions en même temps, et on vient se revisiter? Franchement, c'est à vraiment y réfléchir. Je vous reviens.